Le monde invisible veut nous instruire à l'aide de nos propres expériences et pas un de nous n'est épargné. Seulement, les humains ne comprennent pas ces leçons et ils n'en ont aucun profit. Or, le vrai travail, c'est justement de s'arrêter sur chaque expérience pour en tirer des conclusions afin de pouvoir aller beaucoup plus loin dans la voie de la spiritualité, de la perfection. Mais non, toute la vie on fera ces expériences et on restera aussi idiot qu'avant, incapable de réagir pour améliorer la situation. On souffre, bien sûr. On n'est pas fier, bien sûr. Mais on est habitué à tous ces désordres et on se résigne à végéter, à vivoter. Il faut enfin comprendre qu'on doit sortir de là. Et pour sortir de là, il faut méditer sur l'harmonie, l'aimer, la désirer, l'introduire partout, dans chaque mouvement, dans chaque parole, dans chaque regard et dans chaque cellule. Vous êtes toujours étonné, mes chers frères et sœurs. Quand je lis une page, vous trouvez qu'elle n'a aucun sens, elle n'est pas véridique. Peut-être la page n'est pas véridique, mais le contenu est véridique. Si vous jetez un regard sur l'humanité tout entière, et vous verrez. La majorité est habituée à penser que tout ce qui arrive, ben, c'est comme ça, c'est normal, c'est la vie. Et on ne fait rien pour remédier, pour améliorer, pour sortir. On fait les mêmes expériences, on souffre des mêmes choses, mais alors toute la vie. Et on ne s'améliore pas, on ne change pas, on ne tire pas des conclusions. C'est tellement vrai, moi je l'ai constaté. C'était comme ça avec moi, jusqu'à hier. Et hier, je me suis aperçu. Et maintenant, je me décide de changer de mentalité. Mais il s'est curieux, pourquoi c'est ainsi? Parce qu'on n'a pas bien éduqué les humains dans les familles, même les parents. Ils trouvent que c'est comme ça, les désordres, les vacarmes, les accidents, les malheurs, les cas. Mais c'est normal, c'est la vie. Il vous dit, chacun nous dit, qu'est-ce que tu veux mon vieux, c'est la vie. Et on accepte. Et si on savait ça? Les possibilités que l'intelligence cosmique a placées dans l'être humain, des possibilités inouïes pour améliorer, pour perfectionner, pour embellir, pour purifier. Tout, si on savait la réalité de ces grandes vérités et d'agir. Et oui, mais non, on laisse les choses comme ça. On n'a pas en dedans des possibilités. On les cherche extérieurement. Et tout ce qu'on cherche extérieurement est palliatif pour très peu de temps, pour une journée. Prenez n'importe quoi, parce que
Même pour vous embellir, seulement pendant le lendemain, vous devez de nouveau continuer à placer des choses et des choses sur le visage ou on ne sait pas où, pour s'embellir, pour améliorer, ainsi de suite, c'est-à-dire pour s'enlaidir, quoi. Et on compte sur des choses palliatives. Tandis que, si on savait qu'il y a des facteurs, des puissances, des éléments, des forces en dedans, dans notre esprit, dans notre âme, dans notre cœur, dans notre intellect, et se servir à agir, les déclencher, et surtout les maintenir, ils produiront des effets insoupçonnés, incalculables, inexplicables. Tellement tout est là. Seulement pour arriver à croire et savoir et agir, oh là 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 là, il faut des siècles pour convaincre les humains. Rien à faire. Mais chaque expérience qu'on a, si on s'arrêtait seulement de dire qu'est-ce que j'ai bien fait pour que ça m'arrive, je me sens comme ça et comme ça et comme ça, perturbé, agité ou nerveux, qu'est-ce que j'ai pris, qu'est-ce que j'ai mangé, qu'est-ce que j'ai bu, quelle personne j'ai rencontré, quelle pensée j'avais dans la tête, ou quels étaient, dans quel endroit j'étais, quelles étaient les influences. Chercher, s'arrêter. Et c'est comme ça qu'on découvrira toute la science initiatique. Elle est en dedans, à cause de ce que nous vivons. Non, 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 on laisse comme ça. Et même le lendemain, ça se répétera. Des années, les mêmes choses se répéteront. Et il continuera à boire la même chose ou manger là, sans s'apercevoir que c'est boisson justement qui produisait ça. Non, non, non. De s'apercevoir, c'est pas possible. Hein? On continue. Est-ce que c'est vrai ça? Même avec vous, tâchez de vous souvenir, vous verrez que plusieurs fois, plusieurs malaises ou plusieurs désagréments ou chagrin ou tristesse ou faiblesse sont arrivés et vous ne les avez pas cherchés, approfondis, analysés d'où ça venait. Qu'est-ce que vous avez fait pour être dans cet état? Non, 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 c'est comme ça, c'est arrivé comme ça, par hasard, brusquement. Oui. Rien n'arrive comme ça. Tout est lié avec quelque chose précédent, quelque chose avant, une cause. Tout ce qui arrive est une conséquence des causes, souvent lointaines, souvent invisibles, subtiles, inconnues, mais c'est toujours vrai. Il y a des causes, il faut les chercher. Alors, en changeant maintenant la cause, en changeant la façon de se nourrir, ou de boire, ou de se comporter, ou de pratiquer certaines choses, et on change l'état de la conscience, et on se sent différent, on est heureux, on est dilaté, on est content, on est... surtout l'harmonie. Pourquoi dans cette page, hein, j'insiste sur l'harmonie? Parce que c'est la clé, c'est le plus grand secret. Et justement sur cette chose-là que les humains ne pensent jamais, de rétablir l'harmonie. Qu'est-ce que c'est l'harmonie? Ça va se rétablir tout seul. Et s'ils savaient seulement que l'harmonie n'est rien d'autre que le bon vouloir, le consentement de toutes les particules, de toutes les cellules ensemble, de vibrer ensemble avec un amour, un contentement, d'être tous ensemble d'accord. C'est ça l'harmonie.
Et quand il n'y a pas cette harmonie, c'est qu'il y a des conflits, il y a des batailles, il y a des guerres, il y a des oppositions. En dedans, dans les cellules, dans les électrons, ils sont là en train de... Pourquoi? Parce que l'homme a introduit cette philosophie en dedans, la philosophie de la désagrégation. Parce qu'il n'était pas conscient, il n'était pas instruit, il n'était pas allé dans une école initiatique pour savoir sur quoi les choses sont basées. Toute la vie est basée sur ce consentement dans les particules, sur cette harmonie autrement, et la mort s'installe, la maladie et la mort s'installe. Bien sûr, à la longue, la désharmonie, c'est tout ce qui est le pire de tout. Et l'harmonie, tout ce qui est le meilleur dans le ciel et sur la terre, c'est l'harmonie. Donc chaque jour, de se surveiller, de rejeter un regard, toujours de rétablir cette harmonie. Et cette harmonie peut se rétablir instantanément. Par quoi? Par le bon vouloir de l'amour d'aimer toutes les créatures, d'aimer toute la création, d'aimer tout. Et de tâcher de ne plus détester, de ne plus être en colère, de ne plus avoir la jalousie, de faire du mal, de se venger, de plus en plus de se débarrasser de ce sentiment d'aimer. À ce moment, tout de suite, l'harmonie est là. Et quand l'harmonie est là, la santé, tout s'améliore, tout. L'expression de votre regard, de votre visage, vos gestes, votre comportement, et surtout les émanations, les radiations que vous émanez, sont d'une qualité, mais alors supérieure. Même les gens regardés ne sont pas même aperçus. Quand on est désagréable et quand on est agréable, ils ne sont pas même aperçus, tellement ils sont bêtes, tellement abrutis, tellement stupides. Et surtout, ne m'empêchez pas de le dire. Parce que j'ai un plaisir de le dire. Nature comme ça, une nature. Ils ne sont pas même aperçus. Quand ils sont désagréables, on leur ferme la porte, on les élimine, on ne veut plus les aimer. Ils ne sont pas aperçus. Parce qu'ils avaient des choses en dedans tellement négatives, tellement. Et après, ils sont en colère. Pourquoi on ne les aime pas? Pourquoi on ne vient pas les embrasser ou s'incliner ou leur montrer leur admiration? Ils ne sont pas aperçus qu'on ne peut pas être agréable quand on est tellement bête, quand on nourrit toujours des choses négatives, hostiles, inférieures, ternes, sombres, diaboliques. Alors le plus grand secret maintenant, de devenir agréable. Agréable. Sans chercher de voir des cadeaux de ceci, de cela, qu'on vient vous en... Non, pour vous-même, vous voulez être pour vous-même agréable, parce que ça vous plaît, parce que ça vous donne de la fierté d'être un être intelligent. Agréable. Et comment on peut devenir agréable? En se surveillant chaque jour, en s'apercevant que... Il y a des vieilles choses, il faut les supprimer, il faut les enlever. Des choses ataviques. D'être enfin conscient, de s'apercevoir, et non d'être tellement endormi que toutes les choses qui se passent en dedans, on ne s'est jamais aperçu dans quel état on est, et quelles sont les pensées, les sentiments, et on ne s'aperçoit pas. D'être conscient, de savoir chaque minute ce qui se passe en dedans. Et quand vous vous apercevez qu'il y a des courants, il y a des choses qui glissent, il y a des certaines pensées qui veulent vous asservir, de les chasser, de leur fermer la porte, d'être conscient, et non d'être maintenant
à une auberge ouverte comme ça, tous les indésirables, ils font des choses en dedans, et on ne sait pas même aperçu. Et après, on ne sait pas pourquoi on est dans tel et tel état, pourquoi on est malheureux, pourquoi on est écrasé, pourquoi on est anéanti. Parce que, il faut se dire, parce qu'on est tellement ignorant, tellement bête, tout simplement. Pas parce qu'on est méchant, mais non, jamais de la vie. On n'est jamais méchant. Mais ignorant, oui, oui. Sans arrêt, on est ignorant. Mais toujours d'une bonté exemplaire. Oui. Est-ce que ça peut marcher ensemble? Je vais y réfléchir. Je vais m'arrêter, je vais méditer. Mais pour le moment, voilà ce qui n'est pas développé. Ah, je le vois. On apprend, on fait des choses, on travaille, on veut créer. Mais il y a beaucoup de choses encore qui ne sont pas au point. Et ce qui n'est pas au point, d'après moi, c'est ça. De constater toute la journée dans quel état vous êtes et de remédier. Voilà ce qui n'est pas développé. On est entraîné, on ne s'aperçoit pas même ce qui se passe en dedans. Et on est à la merci de toutes sortes de courants, de toutes sortes d'entités, de toutes sortes de visiteurs indésirables, parce que, comme je vous ai expliqué déjà dans d'autres conférences, qu'est-ce que c'est le monde invisible? Comment il est peuplé avec des races de toutes sortes, d'entités de toutes sortes, des tribus, des choses. Mais alors, même je vous ai parlé même, et sur le gardien du seuil, on est terrible. Et comment le vaincre? Mais toutes ces choses-là, vous allez les étudier, mais pour pouvoir maintenant avoir toujours la victoire, toujours le triomphe, toujours la réussite, ben, il faut commencer tout d'abord par s'observer, et ça ne prend pas beaucoup de temps. Une seconde, même une centième de seconde. Et on s'habitue. Et on est toujours au courant et on remédie. Alors on devient ça, un être, mais alors, qui a toutes les possibilités pour avancer, pour se développer, pour se renforcer et être utile, utile à toute l'humanité.